Venise, en italien, Venezia, est une ville côtière du nord-est de l'Italie, sur les rives de la mer Adriatique. Elle s'étend sur un ensemble de 121 petites îles, séparées par un réseau de canaux, et reliées par 435 ponts. Située au milieu de la lagune Vénète, entre les estuaires du Po et du Piave, Venise est renommée pour cet emplacement exceptionnel, ainsi que pour son architecture et son patrimoine culturel, qui lui valent une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Venise est la capitale de la région de la Vénétie. En 2012, la commune compte 269 810 habitants, dont 58 666 intramuros. 176 000 résidents sur les rives, terra ferma, pour la plupart dans les frazioni de Mestre et Marghera, et les 31 000 habitants restants résident dans d'autres îles de la lagune. Avec Padoue et Trévise, Venise constitue l'aire métropolitaine Padoue-Trévise-Venise, une entité statistique de 1 600 000 habitants. Fondée, peu après 528, par des réfugiés fuyant l'invasion lombarde, elle fut la capitale pendant 11 siècles, de 697 à 1797, de la République de Venise. Durant le Moyen Âge et la Renaissance, la ville fut une grande puissance maritime, à l'origine de la quatrième croisade, et victorieuse lors de la bataille de Lépante, en 1571, contre l'Empire ottoman. Grâce à ses liens avec l'Asie et le Proche-Orient, dont le marchand et explorateur Marco Polo fut l'initiateur, elle devint également l'une des principales places commerciales d'Europe, notamment de la soie, des céréales et des épices. Enfin, elle est un centre culturel majeur, du XIIIe à la fin du XVIIe siècle, dont les peintres de l'école vénitienne, dont Titien, Veronese le Tintoret, Carlo Goldoni et Antonio Vivaldi, sont les principaux représentants. Son nom provient du peuple qui habitait la région avant le Xe siècle, les Vénètes. Dénommée Venetia en latin, elle est parfois surnommée la cité des doges, la sérénissime, la reine de l'Adriatique, la cité des eaux, la cité des masques, la cité des ponts ou encore la cité flottante. La ville est aujourd'hui célèbre pour ses canaux, notamment le Grand Canal, et ses gondoles, ses nombreuses églises, la place Saint-Marc, le palais des doges, le pont des soupirs, sa biennale, ainsi que son carnaval. Les clés de la domination économique de Venise, sur l'Italie au Moyen Âge, sont l'insularité et l'aisance navale des Vénitiens, qui n'a cessé de croître pendant plus d'un millénaire. La région à l'extrémité nord-ouest de la mer Adriatique, où se jettent plusieurs fleuves issus des Alpes, est habitée dès l'Antiquité par des pêcheurs, mariniers et saulniers. Cette zone faisait partie de la région dite créée par Auguste. Cette région fut nommée ensuite Venetia du nom des Vénètes, ancien peuple italique intégré dans la République romaine, dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, Aquilée, sur la terre ferme, était le centre religieux et portuaire important. Les invasions des Godalaric Ier et des Indes Attila poussèrent les populations locales à se réfugier dans les îles des Marais situées le long de la mer Adriatique, près du delta du Po. Selon la légende développée ultérieurement par les Vénitiens, pour démontrer l'ancienneté de leur cité et la lointaine origine de leur liberté, Venise aurait été fondée le 25 mars 421, dans les îlots du Rivu Altu, qui est devenu le Rialto. En 452, un premier établissement est fondé, par des réfugiés de Padoue et d'Aquilée. La région échut par la suite au royaume ostrogo puis fut reconquise avec le reste de l'Italie par le général Bélisaire, devenant une province de l'Empire romain d'Orient sous Justinien Ier. La ville de Venise a été fondée vers la fin du VIe siècle par des habitants des régions voisines, venus se réfugier en nombre, dans les îles de la lagune formées par l'estuaire du Po, après l'invasion de l'Italie du Nord, par les Lombards en 568. En effet, cette zone marécageuse, difficile d'accès pour des navires à quilles, était restée sous la juridiction de l'exarchat de Ravenne, province de l'Empire romain d'Orient. Elle fut donc initialement un refuge de la civilisation romano-byzantine, mais au fur et à mesure de son développement, son autonomie s'accrut pour aboutir à l'indépendance.
Profitant de l'antagonisme entre l'exarchat de Ravenne et les Lombards, les Vénitiens élargirent leur marge de manœuvre politique et se dotèrent d'un pouvoir local incarné par le premier duc ou doge, Paolo Lucio Anafesto, 697-717, personnage aux confins de la légende et de l'histoire. La ville de Venise ne devint réellement indépendante qu'après le retrait des Byzantins de l'Adriatique, peu après l'an 1000, lors de l'émergence du royaume de Hongrie. La cité-état s'appuya dès lors sur la mer, pour étendre son pouvoir. Venise n'eut pas de constitution propre. En effet, la définition des attributions et le mécanisme des institutions gouvernementales relevaient à Venise du droit coutumier. Les organes de décision gouvernementaux formaient une pyramide dont l'Assemblée populaire était la base et le doge le sommet. Entre les deux, siégeait le Grand Conseil, les Quarantés le Sénat, puis le Conseil ducal. Cette organisation politique dont les traits se dessinent au XIIIe siècle, se maintient jusqu'en 1797. Le quadruplement de la puissance navale, dans le premier tiers du XVe siècle, fait de l'arsenal de Venise la plus grande usine du monde, employant jusqu'à 16 000 personnes, derrière une enceinte secrète de 25 hectares. L'activité navale est portée par le dynamisme du quartier d'affaires vénitien. Le commerce du sel, puis l'expansion commerciale vers la Méditerranée orientale, entraînèrent une forte croissance de la ville. Après la quatrième croisade, que Venise détourna sur Constantinople, la République s'empare des richesses de l'Empire byzantin, et constitue son propre empire maritime, constitué par la plupart des îles grecques et dalmates. Elle le complète en conquérant la Dalmatie continentale, l'Istrie, et un vaste domaine entre les Alpes et le Pô, incluant les cités de Bergame, Brescia, Vérone, Padoue, Trévise et Udine. Elle entre en conflit avec Gênes, sa grande rivale en Italie du Nord et en Méditerranée. L'apogée de cette lutte est la quatrième guerre génoise, autrement nommée guerre de Chioggia. Venise sortit vainqueur du conflit, mais très épuisée. Le traité de Turin, en 1381, ne lui fut pas particulièrement avantageux. Malgré sa victoire, Venise dut renoncer à des territoires et concéder certains droits à sa rivale. Elle perdait Trévise et la Dalmatie et revenait au roi de Hongrie. Cependant, elle conservait ses institutions et ses principales colonies. La ville a armé une flotte de 6000 galères, lui permettant de prendre des risques, sous forme de convois réguliers, pour régner sur la mer Méditerranée. Le quartier du Rialto est la première bourse organisée, selon l'historien Fernand Braudel. Les marchands y échangent des participations dans les galères vénitiennes, mises aux enchères selon le système de l'incanto des galets du marché. Venise devient ainsi le plus important port de Méditerranée, surclassant Constantinople. Il lui fallut conquérir des terres sur la lagune. Le déclin commença, avec la progression ottomane en Méditerranée, qui la priva progressivement de toutes ses terres grecques, à l'exception des îles Ioniennes, et de ses accès aux débouchés de la route de la soie. Elle fut en plus très touchée par la peste noire. Malgré la victoire sur les Ottomans à Lépante en 1571, la République de Venise perdit encore de son importance commerciale, à cause du détournement du commerce européen, vers les océans après la découverte de l'Amérique. Venise maintient son rayonnement culturel, en devenant la ville européenne la plus élégante et raffinée du XVIIIe siècle, avec une forte influence sur l'art, l'architecture et la littérature. Redevenue politiquement un État italien parmi d'autres, Venise fut annexée par Napoléon Bonaparte, le 12 mai 1797, durant la première coalition. L'invasion des Français mit un terme à près de 800 ans d'indépendance. Bonaparte fut cependant perçu comme une sorte de libérateur par la population pauvre et juive de Venise, république aristocratique où le pouvoir et la plupart des richesses étaient monopolisées par quelques familles. Bonaparte supprima les barrières du ghetto, ainsi que les restrictions de circulation imposées aux juifs. En 1797, par le traité de Campo Formio, Bonaparte livra Venise et ses territoires aux Habsbourg en échange de la Belgique. Puis il a le repris en 1805 pour l'intégrer au royaume d'Italie dont il se fit couronner roi, avant que la ville ne fût intégrée dans l'Empire d'Autriche de 1815 à 1866.
La domination autrichienne sur Venise et la Vénétie ne s'acheva que le 3 octobre 1866, après sa défaite de Sadowa, contre l'alliance prusso-italienne. Venise devint un chef-lieu de province italien, et l'un des hauts lieux du tourisme mondial. Après la Première Guerre mondiale, l'Italie revendiqua à l'Autriche vaincue l'ensemble des territoires jadis vénitiens, mais se heurta aux revendications yougoslaves, et n'obtint au traité de Rapallo que l'Istrie, la ville de Sarra en Dalmatie et les îles de Veglia, Chesso et Lagosta. Le ressentiment développé à ce moment contribua au succès ultérieur de Mussolini. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Italie perdit aussi ses possessions au profit de la Yougoslavie, ne conservant que Trieste, qui ne fait pas partie des territoires jadis vénitiens, mais où se réfugièrent les populations italophones expulsées de Yougoslavie. La ville est parcourue par 177 canaux, dont le plus important est le Grand Canal, et 455 ponts, le plus souvent arqués, pour laisser passer les bateaux. Elle possède 123 églises, et elle s'étend sur 118 îles, situées entre l'embouchure de l'Adige, au sud, et du Piave, au nord. Elle est découpée en six quartiers historiques appelés les Sestieri, San Marco, Castello et Canareggio sur la rive gauche du Grand Canal, et Santa Croce, San Polo, et Dorso Duro sur l'autre rive. Le quartier de San Marco, et la basilique du même nom constituent le cœur de la cité. Le quartier de Castello recouvre toute la partie sud-est de Venise. Appelé Olivolo, à la fin du Moyen Âge, son nom actuel provient de la forteresse sur l'île San Pietro, démantelée depuis longtemps. Le quartier de Canareggio occupe toute la partie de la ville comprise entre le Rialto et la gare ferroviaire. Il est nommé ainsi en raison du caractère rectiligne des canaux qui le parcourent, Canal Reggio. Sur l'autre rive, les Sestieri de Santa Croce et San Polo doivent leur nom à deux églises. La première, détruite. San Polo est le plus densément peuplé et comprend le quartier commerçant du Rialto. San Croce est le plus récent avec des bâtisses plus spacieuses du 19e et du 20e siècle. Dorso Duro, d'eau dure, s'appelle ainsi en raison de la nature plus rocheuse de son sol et de l'altitude du Sestir, plus élevée que les autres. En conséquence, pendant les épisodes d'Acqua Alta, hautes eaux, il est moins souvent inondé. Ce quartier comprend aussi l'île de la Giudecca. Le centre historique est entièrement piétonnier, les canaux faisant fonction de route, et les divers bateaux qui traversent seulement le Grand Canal. Le canal de la Giudecca et la lagune autour de la ville sont le moyen de transport public. Venise est une ville unique où l'on se déplace presque exclusivement à pied. On y trouve aussi des taxis d'eau, petits bateaux motorisés qui peuvent transporter de 8 à 10 personnes, et des gondoles, petites embarcations d'aviron très légères. Le transport privé des Vénitiens au moyen des bateaux motorisés ou à aviron est limité aux excursions dominicales. D'autres modèles d'embarcations plus ou moins grosses sont destinés aux transports commerciaux. Chateaubriand constatait que Venise était une ville contre nature. Le Vénitien de son point de vue l'estime unique ville naturelle dans un monde contre nature.